élèves, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire, le groupe verbal. Alors, avant de commencer, faisons un petit rappel. On a déjà vu que le verbe dans une phrase exprime l'action que fait le sujet ou bien l'état. Alors, regardons ensemble cet exemple. Disons la première phrase. Papa lit le journal. Alors, où est le verbe dans cette phrase? C'est lit. Alors, ici, le verbe dans cette phrase exprime l'action que fait papa. Deuxième phrase. Il est en retard. Le verbe dans cette phrase, c'est est. Alors, dans cette phrase, le verbe « est » exprime l'état. Yeah. Passons maintenant à l'objectif de notre leçon. Alors, notre objectif de cette leçon, c'est identifier le groupe verbal, sa constitution et son rôle. Alors, lisons les phrases. La première phrase, l'oiseau vole. Alors, où est le verbe dans cette phrase? C'est « vol ». Qui vole? C'est l'oiseau. Donc, c'est le groupe nominal sujet. Groupe nominal sujet. Passons maintenant à la deuxième phrase. Leïla révise ses leçons. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, révise. Révise, c'est le verbe. Où est le groupe nominal sujet dans cette phrase? C'est Leïla. Leïla, c'est le groupe nominal sujet. Alors, revenons à la deuxième phrase. Leïla révise ses leçons. Si maintenant, je dis seulement Leïla révise, je supprime ses leçons, est-ce que ma phrase a un sens? Très bien, ma phrase n'a pas de sens. Leïla révise. Alors, je dois ajouter des mots qui complète le verbe pour donner un sens à cette phrase. Et je dis, Leïla révise ses leçons. Alors, les mots qui complètent le verbe, on ne peut pas les supprimer pour donner le sens à cette phrase. Alors, voilà, je dis le verbe plus les noms que j'ajoute au verbe pour donner un sens, on les appelle compléments d'objet. Compléments d'objet. Alors, regardez bien, le groupe qui se compose du verbe et le complément d'objet s'appelle le groupe verbal. Voilà, je l'entoure. Voilà, le groupe qui se compose du verbe et le complément d'objet s'appelle le groupe verbal. Alors, notre phrase est constituée du groupe nominal sujet et du groupe verbal. Alors, le groupe verbal peut se composer d'un seul mot, comme dans la première phrase, regardez bien, il est composé d'un seul mot qui est le verbe, voilà, groupe verbal. Ce qu'il faut retenir est, dans une phrase, il y a deux groupes. Groupe nominal sujet qui fait l'action est groupe verbal. Et pour le groupe verbal, il peut contenir un seul mot qui est le verbe ou bien le verbe est un groupe de mots qu'on a appelé complément d'objet. Et pour le complément d'objet, on ne peut pas le supprimer ni le déplacer. Et maintenant, passons à l'application. Je lis la consigne. Souligne
le groupe verbal. Alors, la première phrase, les oiseaux tombent de l'arbre. Le facteur distribue le courrier. Leïla saute. Voilà, commençons par la première phrase. Les oiseaux tombent de l'arbre. Si je pose la question, que font les oiseaux? Très bien, tombent de l'arbre. Donc, tombe de l'arbre, c'est le groupe verbal. Deuxième phrase. Le facteur distribue le courrier. Que fait le facteur? Oui, distribue le courrier. Voilà, c'est ça le groupe verbal. Troisième phrase. Leïla saute. Que fait Leïla? Saute. Voilà, c'est ça le groupe verbal. Alors, regardons la première phrase et la deuxième. Le groupe verbal est composé du verbe et des mots qui complètent le verbe. Du verbe et des mots qui complètent des verbes. Qu'on les appelait compléments d'objet. Voilà, la même chose pour la deuxième phrase. Distribue le courrier. Alors ici, le groupe verbal est composé du verbe et des mots qui complètent les verbes qu'on a appelés compléments d'objet. Maintenant, pour la dernière phrase, saute. Ici, le groupe verbal est composé d'un seul mot qui est le verbe. Voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et merci beaucoup à votre attention et à la prochaine séance.